Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Mais bon, voilà quoi. D'ailleurs c'est comme ici, hein, je pourrais très bien leur faire le monument à la flamme du progrès dès que j'ai les 3000 de science. Avec les 400 planches, parce que les planches j'en ai tellement ici. Ici, c'est là où c'est que je produis toutes les planches. J'ai toutes ces scieries là qui produisent un milliard de planches. Vas-y, vas-y, tranquille, Vince. Et donc voilà. Bon, ben la sécheresse est totalement maîtrisée, hein. Tranquille. Ah, le niveau d'eau ici commence à sérieusement baisser, par contre, c'est marrant ça. Ah ouais, le niveau d'eau ici, il baisse. Ouais, je vais vraiment avoir besoin de faire un barrage ici, je pense. D'ici là, il faudra que je continue le barrage. Ici, il me faut ce barrage-là. Pour être sûr que ça reste irrigué, en fait. Ah, par contre, là-bas, ça va être un petit peu loin des routes, je pense. Il va falloir que j'y mette une route. Il va falloir que je rase deux arbres pour y mettre une route. Là, j'aurais fait un monument. Il est plein, là. Ici, là, il y a tellement d'arbres dans cette colonie-là que on est tellement large, quoi. Tellement large. On commence à avoir également pas mal de blocs de métal produits ici, ce qui est plutôt bien du coup. Je sais pas vraiment à quoi servent les blocs de métal, mais bon, on va certainement s'en servir pour des trucs, hein. Il me semble que pour ce monument-là, ouais, 12 000 points de science, ça demande un hommage à l'ingéniosité. 300 métal. La décoration, j'ai rien débloqué, j'avoue que ça m'a pas trop intéressé, la décoration. Mais bon, peut-être que je le ferai à l'occasion. Il galère à planter, lui, hein. Bah alors, Toto, tu bosses ou pas, ou quoi? Ah si, tu bosses, mais tu bosses doucement, quoi. C'est pas un brave, hein. Ah, et du coup, ici, le barrage, là, vous voyez, on voit qu'il sert bien, là. Ici, là. Sur cette zone-là, on voit qu'il est vraiment utile. On va faire la route, là. Allez, rasez-moi cette arabe, merci. Comme ça, ils pourront avoir un accès plus facile jusqu'à la fin du barrage. Alors j'ai pas forcément envie d'aller, j'avais pas prévu d'aller coloniser cette terre non plus, mais pourquoi pas, c'est une possibilité, Relins. Re. Et du coup, Vin, si tu le souhaites, pendant l'exclamation YouTube, il va y avoir la rediff de toute la série sur Timberborn directement sur ma chaîne YouTube. Actuellement, 27 épisodes sont montés. Donc, c'est des épisodes de 20 minutes qui sortent tous les 2 jours, parce que ça me fait plaisir. Et puis, voilà. Et du coup, là, ben, je suis en train de record en même temps. Et du coup, tout ça, ça sortira également sur YouTube. En mode let's play chill, hein, les gars. C'est vraiment en mode let's play chill. À l'épisode, certains doivent être ultra longués. Parce que j'ai vraiment mis tout d'intériorité comme si je faisais un vrai let's play, quoi. La seule différence, c'est que je dis pas bonjour à chaque début d'épisode, quoi. Et d'ailleurs, on a dépassé les 45 minutes, donc ça veut dire qu'un nouvel épisode a commencé. Bonjour, YouTube. Et du coup, toutes les 20 minutes, vous, on peut dire sur le chat, bonjour YouTube. Débarre. Eh, bonjour YouTube. Lol.
Du coup, ici, il faut que j'accepte. Parce que j'ai pas pensé à ça, la résine de pin. Ah, mais ici, tout ça, je vais l'enlever là. Pense que je vais refaire toutes les routes commerciales que j'ai. Non, il n'y a personne qui stream ce jeu, Vince. Mais moi j'aime bien Timberborn, il me détend ce jeu, c'est un jeu super sympa, super chill, etc. J'aime beaucoup personnellement. Et puis j'aime voir la map qui va se remplir petit à petit, parce que là pour l'instant on a fait que cette partie de la map, mais il y a encore tout ça à faire. Hein. Il y a encore tout ça à faire. Hein. Et franchement moi je trouve ça super chill. Ah non, il n'y a pas de mob ulti, non, pas du tout. Par contre, il y a un truc que j'ai pas pensé, les gens, vous voyez ici, c'est les ruches. J'ai totalement zappé de mettre des ruches ici. Mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je pense pas. Franchement, on va s'en passer ici. Ah oui, clairement, clairement. Black and White, mais à Black and White 2, j'ai encore le CD quelque part qui doit traîner. Je crois qu'il est chez ma mère. Hein. Ouais, vous voyez ici, là, donc l'eau est partie. Du coup, là. On a toutes ces zones qui n'est plus irriguées. Bon, c'est pas grave, hein, ça va revenir, mais et du coup, on perd vraiment un niveau d'eau dans la sécheresse. On perd quand même un niveau de flotte. Hein. C'est énorme et c'est pas grand-chose en même temps. Donc là, ici, c'est vraiment l'irrigation naturelle qui fait que ça descend. Mais il me reste de l'eau. Du coup, ici aussi, il me restera de l'eau, je pense, une fois que tout le barrage aura été construit. Et j'ai vraiment plus aucun problème de flotte. Et ici, il reste de l'eau. Une fois que la sécheresse est terminée, il reste encore de l'eau ici. Il en reste pas énorme, hein, mais il en reste. Il en reste suffisamment pour irriguer les terres. Ce barrage-là ne sert plus à rien. On va le laisser quand même, ça m'amuse. Et du coup, là, la sécheresse est terminée. On va voir combien de temps ça met à se remplir, entre guillemets, cet immense lac artificiel, hein. L'arrivée d'eau. Elle est assez rapide. Hein. Je perds vraiment que un niveau d'eau et encore. Hein. Elle est pas si rapide que ça, hein, l'air de rien. Hein. Ça met du temps à remonter. Hein. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Après, ici, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le petit trou d'eau à droite à gauche qui fait qu'ici, ça reste irrigué. C'est trop marrant ça. Ici, c'est vraiment une zone pour l'agriculture ici là-haut. Du coup, je me demande combien de temps ça va mettre. Ça y est, c'est en train de se remplir. Là, on voit que c'est en train de se remplir. Mais je pense qu'il va arriver un moment où c'est que je vais pomper tellement d'eau que ça ne se remplira plus. Parce que là, du coup, c'est une fois que tout est rempli, que cette zone-là est remplie, que ici, ça va réirriguer cette zone et réirriguer cette zone-là. Mais du coup, vraiment pour la science, j'avais envie de savoir. Donc, on est à un jour. Étant donné que j'y pompe de l'eau à mort là-dedans, ça prend son temps, quoi. Y a pas point d'exclamation commande, Vince. Je sais plus comment je l'ai nommé. Il y a un truc hein, qui existe, mais je sais plus comment je l'ai nommé. Du coup, on est au deuxième jour et c'est pas encore en train de remplir. Ben, je verrai de toute façon avec le bois quand est-ce que ça sera rempli ici. Ça permettra de garder l'irrigation ici un peu plus longtemps. On n'est pas encore au niveau du barrage. Hein. Ah, ça va se remplir au jour 3.
Est-ce qu'aujourd'hui on a encore de l'eau ici? Oui. Là-bas? Oui. Forcément, la nuit, ça monte plus rapidement parce que les pompes ne sont pas actives. Mais je trouve ça tellement sympa. Ah ouais, c'est vraiment jour 3, quoi. La rivière, là, qui arrive, elle met 3 jours à re-remplir ce niveau d'eau de lac, quoi. C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Pour l'instant, ici, il n'y a pas encore d'eau, hein. On a encore de l'eau là-bas, on a encore de l'eau ici, donc tout va bien au niveau de l'agriculture. Mais je pensais quand même pas que ça mettrait autant de temps. Je pensais sincèrement pas que ça mettrait autant de temps. Ah, on passe jour 3 et c'est toujours pas en train de se remplir, quoi. 3 jours que la rivière est cool là. Et en 3 jours, elle n'a pas réussi à remplir tout ce qu'on a consommé en eau. C'est incroyable. Incroyable. Ça y est, jour 3. Donc c'est jour 3 que ces barrages-là se mettent à se re-remplir. Et ici à couler. C'est assez incroyable. Du coup, ici ça coule, donc ça va d'abord remplir cette zone. Et ici ça va attendre jour 4, je pense. Le bâtiment manque d'eau, tu m'étonnes. Donc lui, ça y est, il manque d'eau. A besoin d'eau plus profonde pour fonctionner. Marrant. C'est vraiment marrant ça. Et du coup, ça y est, là, hop là. Ici, ça remplit, donc ouais. Fin de jour 3, ça recommence à irriguer la zone ici, quoi. Et à remplir cet endroit-là. C'est fou quand on y pense. Oula, on a même on déborde un petit peu ici, les gars, là. Pourquoi on déborde ici? Ça devrait pas déborder ici. Ça ne devrait absolument pas, voilà. Ça ne doit pas déborder ici, hein. Puisque j'ai remis exactement le même nombre de blocs qui permettaient, entre guillemets, la rivière de s'écouler. Donc, ouais, ça va. C'est la classe, hein? Il n'y a pas à dire, c'est la classe. Donc ici, la plantation de pain continue. Bon, du coup, eux, pour l'instant, ils ne branlent rien, mais c'est pas grave. Ah, il nous reste 900 emplois et c'est plutôt pas mal. On va, je pense, s'en servir ici dans la science. Ça, je vais le débloquer. Avant, du coup, de débloquer la truc. Et c'est ici, on va vraiment faire de la science à balles, je pense. Ici, clairement, je pourrais augmenter le nombre d'habitants, compte tenu de la production de nourriture immense que j'ai. Mais j'ai pas forcément envie de faire ça non plus. On voit d'ailleurs que le blé est largement positif par rapport à la farine qui est utilisée immédiatement dans la boulangerie. Non, je pense qu'il faudrait même. Limite, je crois que c'est le moulin à blé ici, c'est du 3 pour 1, limite, avec tout ce que j'ai planté. Et lui qui est tout seul, continue à planter son pain. Ça me va très très bien. J'aurais peut-être pu d'ailleurs les mettre un peu plus haut, tout ça. Ça aurait été plus classe. Mais j'aime bien ici, là, directement, tu passes à voir la ville, tu passes par une petite forêt de pin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Personnellement. Et tout ça, tous les 7 jours, ça va produire de la résine de pin. Qui va donc être captée par cette cabane des seigneurs. Qui pour l'instant, eux, sont au chômage technique, hein, clairement. Mais du coup, c'est marrant qu'on ait des problèmes d'eau ici, là, enfin, d'écoulement d'eau. Ah, toutes les ressources sont pleines, toutes les réserves sont pleines, c'est beau.
Et vous voyez ici, là, quand ça s'écoule, en fait, l'eau, elle reste très très bas. Vu que c'est ici que ça s'en va. Et là, la bêtise à faire serait de faire un barrage ici, en fait. Ce qui vous permettrait d'avoir de stocker plus d'eau ici. Ce serait pas forcément une bêtise, hein, de faire un simple barrage qui permet de l'eau de s'écouler une fois que c'est plein, mais ouais. Mais du coup, ça là, ce concept-là, c'est vraiment un concept, je pense, que je dois noter pour mes prochaines parties. Parce que clairement, là, c'est la première partie qu'on fait, donc voilà, hein, il va y avoir d'autres. On va explorer d'autres cartes, hein, clairement. Hein. On va se challenger sur d'autres cartes, etc. Mais vraiment, ça me plaît énormément. Petites perles qui sont récoltées, tout ça, tout ça. C'est vraiment la classe, je trouve. On va les exploiter un petit peu ici, parce qu'au moins qu'ils fassent pas rien, quoi, qu'ils nous nettoient ce terrain-là. Parce que ce terrain-là, on va s'en servir, je pense, un peu plus tard. Et vu que la présence de troncs est gênante, au moins avec ça, ils pourront tout nettoyer. Donc information utile également, on peut construire dans l'eau, on peut aller raser des choses dans l'eau. Si je leur fais une route ici, mettons, je peux construire une route directement dans l'eau. Et les castors, ils iront tout seuls faire le nécessaire. En passant sous l'eau, ce sont des castors. Et ils ne se noient pas. Ils ne se noient absolument pas. C'est une information utile, hein. Et du coup, vu que j'avais laissé les trucs dans l'eau, etc., bien on peut aller les enlever, entre guillemets, quoi. Lol. On peut clairement aller les enlever. Ça, c'est drôlement bien, je trouve. Le nettoyage ici va aller assez vite, hein. Compte tenu de tous les constructeurs que j'ai ici, ça va aller assez vite. Lui, une fois qu'il a fini, lui, je pourrais le raser et foutre une troisième cabane des seigneurs. Mais je vais pas le faire, ça m'amuse de le laisser là. Il aura juste jamais rien à faire, quoi. Il n'aura vraiment jamais rien à faire. Le stock de bois est plein, ce qui est plutôt pas mal. On va enlever quelques routes. Hein. On va garder uniquement le fait de nous amener du pain. Et encore que le pain, c'est même plus nécessaire. Uniquement les planches, les engrenages et le papier. Qu'on ne produira jamais ici. Et on est vraiment plein, donc on n'a plus besoin d'autre chose ou quoi ici. Ça va me libérer des routes commerciales comme ça. Du coup, ici. On a ça pour faire des routes. On envoie vraiment que du bois au district 1 pour le moment. On a 5 sur 10 itinéraires. Et ici, en fait, on envoie absolument partout. On envoie du pain au district 2, du bois, des baies. On s'en fout des baies, on va arrêter d'envoyer des baies. Du pain, du bois, du papier au district 2. Et au district 3, on envoie du coup. Alors, on envoie pain, bois, papier et engrenage. Et au district 3, on fait pareil, je pense. Papier, engrenage et planche. Voilà. Je pense qu'il va en falloir un autre ici.
Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas compris, par contre. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas compris. Je comprends pas comment bas est élevé. Mettons, si j'ai envie qu'il y ait que 50 de stock maximum de tout chez les autres. Ouais, j'ai beau cliquer sur le point d'interrogation, il n'y a rien qui m'affiche, j'ai aucune aide. Donc si jamais un de vous a la réponse, mettons si j'ai envie de faire en sorte que le maximum ce soit 50 et non pas 100 comme ça à l'heure actuelle, j'aimerais bien savoir comment faire. Je pense que c'est la base qui est comptée.